l'histoire de la subversion juive en Espagne ne pouvait être effacée. Les preuves sont trop nombreuses. Bien qu'ils aient prospéré sous les Visigoths en Espagne, ils ont néanmoins conspiré avec les Arabes d'Afrique pour renverser la monarchie visigothique. Au début du 8e siècle, ils utilisent leur contact avec les Juifs africains pour préparer l'invasion des Berbères mahométans d'Afrique du Nord à travers le détroit de Gibraltar. En 694, le 17e concile de Tolède proclame que les Juifs impies qui habitent à l'intérieur des frontières de notre royaume ont formé un complot avec les autres Hébreux des régions situées au-delà des mers afin d'agir comme un seul homme contre la race chrétienne. En 852, les annales de Saint-Bertin décrivent la perte de Barcelone parce que les Juifs ont joué les traîtres en permettant aux morts de s'en emparer. En conséquence, presque tous les chrétiens ont été tués, la ville a été dévastée et les Juifs se sont retirés impunis. Après la conquête de l'Espagne par les mahométans, les Juifs ont prospéré, développant l'une des cultures les plus sophistiquées d'Europe. Les Juifs excellaient, entre guillemets, en médecine et ont contribué à faire connaître Aristote en Europe. Lorsque les Espagnols commencèrent la Reconquista, les Juifs ne furent pas persécutés, malgré d'autres actes de mauvaise foi. Lors de la prise de Cordoue aux Sarrasins, Saint Fernando remit 4 mosquées à l'importante population juive pour qu'elle les convertisse en synagogue et leur donna l'un des plus beaux quartiers de la ville pour y habiter à 2 conditions. Qu'ils s'abstiennent d'insulter la religion chrétienne et de faire du prosélytisme parmi les chrétiens. Les Juifs ont fait les 2 promesses et n'en ont tenu aucune. Alors même que l'islam était repoussé en Afrique du Nord, les Juifs ont continué à collaborer avec les musulmans. Les chrétiens espagnols étaient persuadés que l'envahisseur musulman avait été accueilli par les Juifs et aidé par eux, avec tout ce que cela impliquait pour la vie nationale et religieuse de l'Espagne. La symbiose judéo-musulmane qui caractérise la majeure partie de l'occupation arabe confère une grande plausibilité à l'opinion chrétienne, selon laquelle ces 2 communautés étrangères, tant sur le plan de la foi que sur celui du droit, constituait pour la chrétienté une alliance inamicale. Une grande partie de l'ordre civil en Espagne était assurée par le droit canon, mais les Juifs, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, ne pouvaient pas être touchés par ce droit. Les lois contre le blasphème, par exemple, ne pouvaient pas être appliquées contre eux. Ils pouvaient encourager l'hérésie et, pour se défendre, revendiquer la liberté de culte accordée aux Juifs. Les Juifs pouvaient donc se livrer à de nombreuses activités subversives en toute impunité, suscitant ainsi un certain ressentiment. Le règne de Pierre le Cruel met en évidence un paradoxe qui se reproduira. Plus les Juifs deviennent puissants, plus leur position devient précaire. La tolérance a conduit à la violence contre les Juifs parce que la majorité chrétienne a estimé que Pierre le Cruel avait donné à ses serviteurs juifs le contrôle du gouvernement et carte blanche pour les opprimer culturellement et financièrement. Les Juifs, nous rappelle Walsh, étaient détestés non pas parce qu'ils pratiquaient les choses enseignées par Moïse, mais parce qu'ils faisaient les choses qu'il avait interdites. Ils avaient tiré d'énormes profits de la vente de leurs semblables comme esclaves et pratiquaient l'usure de manière systématique et flagrante. Ils étaient aussi, je cite, « très enclins au prosélytisme, même par une sorte de contrainte ». Ainsi, ils forçaient les serviteurs chrétiens à se faire circoncire et exhortaient parfois leurs débiteurs à abjurer le Christ, mais le plus grand problème était l'usure. Comme le reste de l'Europe, il était interdit aux chrétiens d'Espagne de percevoir des intérêts sur les prêts, ce qui conférait aux Juifs le monopole d'une pratique qui, sur une période relativement courte, pouvait concentrer tout le capital d'une nation entre leurs mains. L'usure est l'interface avec la culture chrétienne, qui suscite le plus de ressentiment. En 1326, l'Aljama de Cuenca, estimant que le taux légal de 3 à 3,3% était trop bas, refusa catégoriquement de prêter de l'argent ou du blé pour les semailles. Cette situation a provoqué une grande détresse et le conseil municipal a entamé des négociations qui ont abouti à un accord autorisant les Juifs à percevoir 40% du prix. En 1385, les Cortés de Valladolid décrivent l'une des causes de la nécessité de se soumettre aux exactions que les Juifs jugeaient bon d'imposer. Les nouveaux seigneurs, à qui Henri de Trastamara avait concédé des villes et des villages, avaient l'habitude d'imposer à leurs vassaux de les affamer et de les torturer pour les obliger à payer ce qu'ils n'avaient pas obtenu, les obligeant ainsi à se procurer de l'argent auprès des Juifs auxquels ils donnaient les obligations demandées.
Confrontés à la famine ou à l'usure, les paysans et les petits commerçants de l'Espagne du XIVe siècle ont choisi l'usure et ont vu leur prospérité s'écouler entre les mains des Juifs. Comme plus tard en Pologne, les Juifs étaient également détestés parce qu'ils étaient des fermiers fiscaux, ce qui les mettait en contact direct et désagréable avec un grand nombre de chrétiens. L'Église tentait de protéger ses fidèles des prédations des Juifs impliqués dans de telles activités en rappelant aux dirigeants que le droit canon interdisait l'emploi de Juifs dans la fonction publique, mais les dirigeants, à l'époque comme aujourd'hui, étaient trop préoccupés par le gain à court terme pour envisager les conséquences à long terme qui les ont souvent balayés de leur trône. En 1366, Henri de Trastamara mobilise le ressentiment politique contre Pierre le Cruel et provoque un changement de régime en Aragon. Lorsqu'il marcha sur l'Espagne avec une armée de mercenaires français, les Juifs furent les premiers à souffrir. Des milliers de Juifs furent massacrés. Beaucoup d'autres se réfugièrent à Paris, où le même cycle d'usure menant au ressentiment recommença. L'un des premiers actes officiels d'Henri est de libérer les chrétiens de son royaume de leurs dettes envers les Juifs. Cette mesure fut sans aucun doute populaire, mais elle fut de courte durée. Henri s'est vite rendu compte que si les Juifs ne pouvaient pas extorquer d'intérêts usuraires, ils ne pouvaient pas payer d'impôts ou prêter de l'argent au roi. Les Juifs possédaient également des compétences financières et administratives indispensables, entre guillemets. Henri, qui est monté sur le trône sur fond de ressentiment à l'égard des Juifs, a employé ces mêmes Juifs pour rester financièrement solvable et administrer son royaume. Le cycle de l'exploitation menant au ressentiment s'est poursuivi jusqu'au bouleversement social. Le ressentiment à l'égard de l'usure, combiné au soupçon que les Juifs contrecarraient la Reconquista en contrôlant les régions reconquises avec l'aide secrète des morts, a provoqué les émeutes de la fin du XIVe siècle. Les monarques n'ayant rien fait pour limiter l'influence juive, les citoyens indignés ont pris la loi en main. Le 9 juin 1391, l'orage éclate enfin. Le soulèvement de Séville a mis à sac la Judée et 4000 Juifs ont été tués. Ceux qui n'ont pas été tués ont sauvé leur vie en se soumettant au baptême. L'émeute se propagea ensuite vers le nord, d'abord à Cordoue, puis à Tolède et à Burgos, jusqu'à ce que toute la Castille soit emportée dans le tourbillon de la violence anti-juive. Une fois qu'un juif se soumettait au baptême, il pouvait traverser indemne la foule qui, quelques minutes auparavant, était déterminé à le tuer. La peur des représailles a entraîné une vague malheureuse de conversions forcées qui a aggravé le problème de la subversion à l'origine des émeutes et des conversions forcées. Des politiciens sans scrupules, voyant dans les conversions forcées une solution rapide à un problème difficile, ont ignoré les avertissements et créé un problème plus profond et plus insoluble. Alors que la tempête d'antisémitisme se répand en Espagne, les petites communautés juives se convertissent en masse. Compte tenu de la nature forcée des conversions de masse de 1391, des droits communs, il est évident que beaucoup ne pouvaient pas être de véritables chrétiens. En conséquence, les conversos étaient considérés avec suspicion comme une cinquième colonne au sein de l'Église. Des termes d'opprobre leur sont appliqués, le plus courant étant Murano. Le régime des fausses conversions en Espagne ne fait qu'aggraver une situation déjà difficile. Les Juifs convertis cyniques continuent d'exploiter la situation sous la protection de l'Église, tandis que les Juifs convertis sincères vivent dans une suspicion constante et intolérable. Dans les années 1440, il était clair que les conversions forcées n'avaient pas résolu le problème juif de l'Espagne. Selon les actes de l'administration financière de Castille, les Juifs contrôlaient environ deux tiers des impôts indirects et des douanes à l'intérieur du pays, à la frontière et dans les ports. Tout un réseau de fermiers fiscaux et de collecteurs juifs était réparti sur l'ensemble du royaume. Leur chef était un juif responsable des taxes générales qui jouait le rôle de trésorier du roi. La conversion générale, dit Walsh, semble avoir donné à ce type de juif opportuniste la possibilité de gagner sur tous les tableaux. Il pouvait profiter de tous les avantages d'aller à la messe le dimanche et à la synagogue le samedi. Ses enfants ne se voyaient interdire aucune occupation profitable et honorable. Ils pouvaient se marier, grâce à son argent, dans des familles nobles et appauvries, comme en Angleterre, et accéder aux titres les plus prestigieux en Castille. Ils pouvaient devenir prêtres, voire évêques. Les soupçons pesaient surtout sur les conversos cultivés de la classe supérieure, qui profitaient le plus de la conversion en accédant à des fonctions jusqu'alors interdites aux Juifs. Le chrétien moyen pensait qu'il était gouverné par une classe d'intellectuels philosophes, nihilistes et opportunistes, sans aucune croyance religieuse. La morale s'est détériorée à la cour et les paysans ont souffert de leur prédation.
Cette situation, dit Walsh, ne pouvait pas durer indéfiniment sans explosion. Et malheureusement, il y eut de nombreuses explosions de la pire espèce possible. La foule, voyant que le gouvernement d'Enrique L. Impotente, Henri l'impuissant, ne voulait rien faire pour freiner les conversos et leur confier virtuellement la conduite de l'État et de l'Église, a pris les choses en main. L'un après l'autre, juste avant l'accession au trône de la reine Isabelle, les conversos furent passés au fil de l'épée et leurs maisons brûlées. En 1453, après la chute de Constantinople aux mains des Turcs, les chrétiens craignirent une résurgence de l'influence musulmane en Espagne, contrecarrant ainsi la Reconquista. En 1464, un grand nombre de conversos embarquèrent pour Constantinople, où ils avaient l'intention de revenir à la religion de leur père et d'aider l'antéchrist turc qui prévoyait de marcher sur l'Europe chrétienne et de la soumettre, comme les Maures avaient soumis l'Espagne au 8e siècle. Alphonse monte sur le trône de Castille en 1467. Lorsqu'il entre à Tolède en mai de cette année-là, une guerre ouverte éclate entre les vieux chrétiens et les conversos. Le 2 juillet, une bataille fait rage à Tolède pendant 3 jours, au cours desquels 4 rues habitées exclusivement par des conversos sont incendiées. En 1469, Doña Isabella de Castille épouse Don Fernando, fils de Jean II d'Aragon. Ferdinand et Isabelle tentent de résoudre la guerre civile qui fait rage dans toute l'Espagne. Les Juifs étaient initialement bien disposés à l'égard de ce mariage. Ils pensaient qu'un régime fort qui maintiendrait l'ordre public leur serait bénéfique, mais Ferdinand et Isabelle se sont montrés incapables de mettre fin à la guerre civile, du moins dans un premier temps. Il y a aussi la question des Maures qui occupent toujours le sud de l'Espagne et qui sont soupçonnés d'être de mèche avec les Juifs. Et il y a aussi les nobles récalcitrants qui font la loi à leur guise, pillant et saccageant à volonté. Isabelle a besoin de réimposer la loi dans son royaume, mais elle sait aussi qu'une conquête militaire est nécessaire pour y parvenir. En juillet 1477, Isabelle se rend à Séville. Pendant son séjour, qui dure jusqu'en octobre 1478, elle est soumise au sermon de Fray Alonso de Ojeda, le prieur dominicain de Séville, qui, je cite, « consacre toute son énergie à sensibiliser la couronne aux dangers que représentent les Juifs et les faux convertis ». Les rapports de Ojeda et de l'évêque de Cadix l'ont convaincu que presque tous les convertis pratiquaient secrètement le judaïsme. La logique veut qu'elle ne puisse pas se fier à ses cours, car elles sont composées de conversos. Isabelle est convaincue que des mesures radicales sont nécessaires. Le seul instrument adéquat est l'Inquisition, un organe juridique dont les juges seraient des moines dominicains soigneusement choisis et hors de portée de l'intimidation ou de la corruption. En 1478, elle envoie une délégation par l'intermédiaire du pape Sixte pour obtenir la bulle nécessaire. Moins de 2 ans plus tard, Mohamed II, à la tête des forces turques récemment renforcées dans l'ancienne capitale de l'Empire romain d'Orient, en colère après avoir échoué à prendre l'île de Rhodes, ravage la côte des Pouilles. Le 11 août 1480, Mohamed s'empare d'Otrante et passe immédiatement la moitié de la population au fil de l'épée. L'archevêque et son clergé sont massacrés après avoir été torturés. Lorsque la nouvelle est arrivée en Espagne à la mi-septembre, la menace de la résurgence des Turcs a convaincu Ferdinand et Isabelle qu'ils ne pouvaient plus hésiter. L'Inquisition espagnole a vu le jour alors que Ferdinand et Isabelle étaient aux prises avec une guerre civile et une anarchie de longue date et apparemment insoluble. La création de l'Inquisition indique qu'il considérait les Juifs et les judaïsants comme un élément central du problème musulman dans les territoires à conquérir et du problème de l'anarchie dans les régions qu'il contrôlait. Lorsque l'armée espagnole victorieuse s'est rendue à Malaga après la campagne victorieuse visant à chasser les Maures d'Espagne, elle y a trouvé 400 Juifs. Pratiquement tous étaient des chrétiens judaïsés qui avaient fui l'Inquisition de l'Espagne vers Grenade, où ils étaient revenus au judaïsme. Les apostats ont reçu l'ordre de décider s'ils voulaient vivre complètement en tant que chrétiens ou quitter le pays. Peu après l'entrée du couple royal à Grenade, ils ont étendu cette option à tous les Juifs d'Espagne. Le 31 mars 1492, alors qu'ils se trouvaient encore à Grenade, Ferdinand et Isabelle ont signé l'édit d'expulsion des Juifs des royaumes de Castille et d'Aragon. Comme auparavant, les Juifs pouvaient se convertir et rester, mais l'Inquisition avait fait disparaître l'essentiel de l'incitation à se convertir. Un grand nombre d'entre eux choisissent de partir. Leur expérience à Grenade a convaincu les monarques qu'une séparation totale était la seule solution aux problèmes juifs qu'ils avaient identifiés.
Pour avoir une idée de ce qui aurait pu se passer en Espagne si la situation n'avait pas été maîtrisée, il suffit de regarder du côté de la Pologne. L'influence juive sur la vie politique polonaise s'intensifie, alimentant l'impérialisme polonais à l'est, tout en affaiblissant le pouvoir polonais à l'intérieur du pays. Les lois polonaises codifient l'hégémonie juive sur de larges pans de la vie culturelle polonaise. La désobéissance aux prédations des fermiers fiscaux juifs étant un crime capital, l'animosité à l'égard des juifs était largement répandue, mais sévèrement réprimée. La dérive culturelle en Pologne a conduit à une explosion du type de celle que l'Inquisition a empêchée en Espagne. En conséquence, la République polonaise a connu un déclin terminal et s'est éteinte 147 ans plus tard. En 1540, la question du converso est réglée en Espagne. L'Espagne a sauvé sa peau en important l'Inquisition du sud de la France, puis en exportant son problème vers le nord de l'Europe. Beaucoup de ces Juifs se sont installés à Anvers, un entrepôt naturel sur la rive nord de l'Escaut, avec un accès facile à la mer du Nord. En raison de sa situation à l'embouchure du delta du Rhin, Anvers était le lien entre les marchés européens et les colonies que les pays européens étaient en train d'établir dans le monde entier. Anvers est devenu le centre du commerce des épices des Indes orientales et du sucre brésilien, et les agents de ces firmes étaient, presque sans exception, des conversos portugais, c'est-à-dire des Juifs. En effet, les riches maisons de commerce étaient presque exclusivement entre les mains de nouveaux chrétiens portugais. Anvers devint le centre d'un vaste réseau commercial qui comprenait les communautés juives de Lyon, Ferrare, Rome, Turin, Venise et Ancône, et qui s'étendait jusqu'à Ragusse, Salonique et Constantinople en Méditerranée orientale, et au sud jusqu'à Suez et le Caire en Égypte, la ligne du commerce terrestre vers les Indes. Ces Juifs constituaient un réseau d'espionnage sophistiqué qui, je cite, « tenait discrètement les forces anti-espagnoles et anti-catholiques du monde entier, informées des événements navals, militaires et commerciaux dans la péninsule. Les Juifs qui contrôlaient le commerce des épices ont réinvesti leurs bénéfices dans le nouveau commerce de l'imprimerie qu'ils ont rapidement utilisé à des fins de subversion culturelle et de guerre psychologique en imprimant des Bibles protestantes. Le commerce de l'imprimerie, combiné au réseau de renseignements, a donné aux Juifs et aux protestants un avantage significatif dans la guerre avec l'Espagne. Ainsi, les Juifs ont pris leur revanche sur le pays qui les avait chassés.